Yo tout le monde, c'est mon K-Pops et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter pour Let's Play, la partie numéro 4, je crois, épisode 4. Certainement, oui. C'est plus donc. Hop. On est parti. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on a tué le boss de premier rang, le tout premier. The first boss EU, j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus hardcore, bien sûr. On part sur ce principe. Donc attendez, je vais virer la souris, hop. Voilà. Donc on va se retrouver avec Roger. Une heure trente et une de jeu. 1h38, oui. Donc, alors là, vu que on vient de passer le mob, je vais voir le stuff qu'on peut se faire. Donc, les gens veulent nous parler. Pour nous dire que t'as débloqué une nouvelle arme, ok. T'as de nouvelles armures. Sphère d'armure, c'est cool pour pouvoir améliorer son armure, bien sûr. Ouais, t'as un nouveau truc. Ah, une nouvelle quête. Merci, merci. On dirait que vous avez débarrassé du géodrome sans aucun problème. Blablabla. Oh, enfin les quêtes de niveau 2. Donc voyons voir ce que c'est. Ouais, Buldrome. Deuxième boss, le Buldrome. Gros monstre aussi, il est même dans la catégorie des petits monstres homo. Comme au premier épisode. Ça se tue des petits monstres. Encore un autre boss, du même genre. Ah, là il y a un boss un peu plus gros. Là aussi, eu déjà. Là aussi. Non, non, on y est. Oh là là, ça c'est un monstre relou aussi, celui-là aussi. On a pas mal de monstres. Bon, allez, c'est parti, on va faire ces quêtes, c'est juste des petites quêtes pourries. Hop. Donc, on est parti sur 2-3 petites quêtes. Hop, voilà. Attention, grosse quête, hein. Attention, préparez-vous. Fini. Voilà. Quête plutôt hard. Bien sûr. Très compliqué, voilà. Je voudrais remercier ma famille pour cette quête qui m'apporte beaucoup de choses dans la vie, qui m'apportera beaucoup de choses même. C'est beau, putain. Allez, feignasse. Vous allez voir la souris se trimballer partout devant. Fourniture rendue. Quête accomplie. Voilà une quête de qualité. Voilà, il y en a 3 des quêtes comme ça, donc au moins ça se clean en une étape. Et... Oh, qu'est-ce que... Oh, j'ai pas lu, bon tant pis. Ah, les chats de combat, on va avoir un petit pote. Alors, il y a Jesper, Gingham, Barbara, Steve et Christelle. On va plus faire en fonction des compétences, après le prix on s'en fout, le... Suscade bien, enfin oui, le prix totalement on s'en car, l'oignon on s'en balèque, mais par contre les attaques, ça c'est plutôt cool. Donc il y a frappe, attaque spéciale, jette des bombes, enfin surtout bombes, s'il jette des bombes quoi. Ténia, tranchant, surtout arme, il tape au cac avec des armes, il tape surtout bombe seulement, et surtout arme. On va prendre les bombes, on va prendre Steve. Type d'attaque tranchant et bombe. Surtout bombe. Ouais, allez, c'est parti. Nice, notre petit Steve. Allez, on va chercher Steve. C'est parti. Stevie! Stevie! Viens là. Il est où? Ah! Petit Steve, il a le swag. Donc, comme pour les cuisiniers, il y a le petit panneau là. On peut leur faire apprendre des choses, enfin pour les muscler, enfin muscler entre guillemets, pour améliorer leurs stats. Donc boxe, tonifier bas du corps, l'expérience d'un corps réel, puissance d'attaque, défense, attaque et défense, repos feignant quoi en gros.
permet d'obtenir des points de compagnon. Donc les points. Faire des formes. Attends, un compagnon, ça c'est vachement cool parce qu'on peut apprendre. Voilà, qu'on peut voir fuite du démon et tout. Attaque élément feu ou glace. Tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je vais faire taper quoi? Donc il faudrait poison. On va voir, foudre, on va le faire apprendre. Voilà, du coup, attaque élément foudre. Voilà, donc actif, sélectionne un compagnon. Donc on va le prendre avec nous. Voilà. Armure. Alors celui-là, cette armure, ce que vous pouvez voir en bas là, au-dessus du moins. Cette armure verte. Côte de glance, soit il a celle-là, en mode hardcore. J'aime bien. Ça me plaît. On est parti. Comme ça, il est en rapport avec moi. En rapport, oui. En rapport, ouais. Oh le mongol. Allez, hop, c'est parti. Donc, toi, qu'est-ce qu'on peut créer? Dégueulasse. Je crois que celle qu'on a. Attends, un meilleur arme. Ah non, même pas on l'a. Oh, ça sort des pieds. Allez, vous savez quoi? Là, maintenant, de plus. Oh là là, j'ai même pas de sous. Oh, j'ai zéro boulesse. Écoute, on va faire des quêtes, on va garder cette vieille lame dans ce dégueu. Pardon. Allez, on est reparti pour le même truc. Sauf que là, c'est la jungle. Dans la jungle tropicale, viens. Petit arc-en-ciel là-bas derrière. Bon, voilà. Grosse map. Hop. Pam. A savoir que le camp est là. Se coucher. Normalement, on peut récolter des herbes. Si c'est pas ici, ça va être sur la map d'à côté. Allez, c'est sur la map d'à côté. Allez, cours, feignant. Par là, il y a de quoi. Oh, un porc. Mouah. Voilà. Nice. Petite lame verte. On va pouvoir faire pousser de l'arbre. Un autre petit Steve. C'est vrai, je l'avais oublié lui déjà. On verra après. Le petit Steve. Le petit Stevie, mon pote. C'est pas cramé, frère. Ouais. Allez, olive. J'ai été rajouté la galerie pays vert. Vert pays. Pour l'instant, notre très très grosse mission. On a un peu des missions d'homo, hein. Ah, mission d'homo. Je n'ai rien contre les homos, hein. Enfin je dis ça. Enfin, pas mission folle. Excusez-moi, attends pour moi je me corrige. Pas mission folle quoi. Mission pourrie même. Deuxième paysage. Ça c'est la map bien en loup, je disais, où il faut des boissons fraîches comme nous, comme il faut les boissons chaudes, les breuvages chauds pour la montagne, et là il faut des breuvages frais. Oh là là, je me suis couché au lieu d'aller rapporter la quête. Regardez le petit Steve, mon gars. Steve a beaucoup trop le swag. Donc on peut voir que en haut à gauche, il y a Steve en dessous de notre pseudo. Je crois qu'on peut avoir jusque deux chats. Avoir jusqu'à deux chats, pardon. Là, petit passage secret des familles, attention. Et bravo, vous y attendez pas, hein. Dans un puits. Du coup, on arrive de la map, avec le petit logo, le petit emplacement du camp, on arrive en map 9. On va y tuer ces monstres qui sont d'ailleurs
particulièrement relou. Allez. Olive. Ah, nice. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai perdu mon chat entre temps. Steve? Stevie? On a perdu Steve. Ah, maintes et maintes choses. Cristal glacé. Oui, parce que les compagnons peuvent ramasser des objets. C'est plutôt cool. Bien sûr que je sauvegardais. Quelle question. Allez, Roger. Pourquoi je vais à la ferme? Je ne sais pas. J'aurais très bien pu aller à la ferme les 3 fois d'affilée. Et vu que j'étais assez con. Ben non! Je suis pas allé. Cristal de terre. Sphère d'armure. Cristal de terre. Ok. Grillon pour pêcher. Charpente insecte, les crafts. Insecte sauteur, le craft aussi je crois. Ouais. La petite herbe. Allez. Attends, je vais te faire planter. Est-ce que ça va nous donner des... Allez, voilà. Ça va nous donner des herbes, j'espère. Après, on aura le miel juste ici, là. Juste devant, on aura le miel. Voilà. Et là, on est parti pour une quête normale. Allez. On va faire ce petit boss. On va pas quand même prendre des petites potions, t'as vu. Enfin de l'herbe, des... Ouais, des potions au cas où. Si je me fais défoncer par le... ce boss là, je pleure. Chasseur de Buldrome agité. Encore les items de base. Alors si vous vous demandez ce que c'est, ça là, c'est des munitions pour le... pour le... la fusée arbalète. Pour les guns. En gros ça c'est pour les arcs. Là, les antipoisons. Hop, le petit trap. Allez, on va grailler. Les rations. Nom. Ça y est, t'as bien mangé. C'est parti. À l'attaque, j'ai envie de dire. Les popos. Popos, dégage. Allez, hop. Allez hop. On va aller le culbuter sa race. J'aurais peut-être dû prendre de quoi ramasser, de quoi miner. Tant pis. On va quand même récolter. Je vais quand même récolter les. Ce que je trouve. Cristal glacé, ça ok. Oh, on voit Steve sur la map. C'est vrai. Ah bah petit Steve qui se téléporte quand il me perd. Ah, il cherche aussi, il a trouvé quelque chose. Alors, on va aller en 6, ensuite 7, ensuite 8. Voir s'il n'y a pas le Buldrome. Moi, particulièrement pourri, je tiens à le dire. Pour l'instant, il n'y a pas trop de fun. Normalement, dans le prochain épisode, certainement, on devrait trouver un peu plus de contenu, un peu plus de mob, j'ai envie de dire. Dégagé. Il est pas là. Je crois savoir où il est. Si vraiment il... Ah non, on va directement aller en 8. Plus rapide. Plus rapide, plus pratique. Le son il est énervé. Donc il n'est pas là. Je vous rappelle qu'il y a une cinématique quand on trouve la map du monstre. Oh, herbe de montagne. On va les prendre, ça fera des sous un peu pour le... Ah non, herbe de sommeil. Pour le... Le jardin. Herbe de sommeil. Enfin, herbe sommeil. D'accord. Je sais pas si ça se... Si ça se... Comment ça s'appelle Ah, on va prendre des aiguisoires. Si ça se... Oh là là, si ça se vend, enfin, ça se vend. Écueil de dragon moisi.
Écailles de dragon moisi encore. Ouais, ça doit se vendre. C'est les trucs qui doivent se vendre, enfin, qui restent, qui s'embarquent pas, quoi. Ce truc, pour la fin, ça rapporte des points pour le jardin. Je pense. Ah. Son père la truie. Qualité des graphismes. On s'en perd le porc. Allez, viens là, mon cochonou. Mon petit cochon. Vas-y, frappe le popo, on va voir. Eh voilà, ça frappe les autres animaux. Hein. C'est pas faire play tout. Oh là là. Voilà. Mon petit. D'accord. Mon petit chat. Il y a Steve qui m'a jeté une bombe. Et je l'ai prise en pleine. Une poire. Qu'est-ce que. Voilà, là il charge. Aïe. Ah non. Et quand il est enfadé, il souffle. Enfin, tous les monstres en deux stades en gros. Un stade énervé et un stade normal. Voilà, là il est énervé par exemple. Donc le stade normal est plutôt tranquille. Il est au calme, il prend son temps et tout. Mais quand ils sont en mode. Viens là, passe par là, je te déchire ta race. Vous voyez, il charge même pas, il dash instant. C'est plutôt sale. Il y a ça, et ils font plus de dégâts, bien sûr. Oh là là. Bon, le chat Steve, là, t'es pas fou pour l'instant. Hein. Allez, morph. Là, il a pris tarif, là. Non, même pas. Ah, raté, ça l'a pas fait. Attendez, je refais. Je le frapperai, je le frapperai. Oh là là, il m'a ken. Voilà. Oh. Le mec a fait cette espèce de saut en avant. Tiens, ah, bah Steve est mort. Ah, là il prend cher là. De Steve qui avait Steve qui vient de nous lâcher. Oh là là. Oh, je vais mourir. Oh mon chat, il s'est fait défoncer. Ah, il est revenu mon chat. Attendez, 2 secondes, bleu. Mon chat est revenu, il s'est fait défoncer, mais il est revenu. Il a des couilles. Là. Ah, mais il est reparti déjà. Oh là là, je prends trop cher. C'est vrai que je vais mettre un piège. Il va se lever. C'est bon, allez viens là. Et c'est mort. Oh oui, je vais vous retourner sur une espèce de backflip. Mais... Vas-y, je les ventre. Oui, il fait un backflip. Oui, je sais pas. Allez, meurs. C'est ça. Je demande le peuple. Il est mort déjà. Cure de Bulldrome. De porc même. Os de géant, ouais. C'est tout, voilà. On s'est régalé, Steve nous a bien aidé. Pas mal. On trouve beaucoup des armes de sommeil, enfin des armes de sommeil. Ouais. Et non. Ah si, herbe au maximum. Ah, j'en ai 10. Ah, c'est les herbes bleues, je crois. Si, c'est genre. Oui. En fait, ça se garde. On peut en avoir que 7. Ok. Je savais pas.
Alors. Ok, j'ai que de la main. Le magnifique finish. Sur le backflip de port. Enfin, demi-backflip. Ouais, il tombe que sur le côté, ouais. Ça tape un petit trip. Ah. Oh, 500 les écailles. 250 l'écaille de dragon. Ça m'en fait des points poc. Ça, c'est cool. Petit monstre, hein. Pourquoi je pars un instant sur lui? Je sais pas, je deviens fou, certainement. Je pense que c'est sur ce petit boss qu'on va se laisser. Ça commence, on commence petit à petit, mais ça va aller de plus en plus. On va de plus en plus poutrer du monstre. On va casser de plus en plus de cul. Donc on finira sur cette magnifique ferme, sur ces magnifiques drops, entre guillemets, enfin récolte plutôt. Et après, on se retrouvera pour un autre épisode. Alors un grillon. Un grillon. Laisse-moi dîner un grillon. Mais tu es niqué. Flash insecte, c'est bien pour faire les bons flashs pour stun les ennemis. Enfin stun les mobs. Hier, herbe du soir. Herbe du soir, bonsoir. Voilà. Hop. Alors on va poser les pêcher Strom pour faire un truc. J'ai pas envie, c'est la flemme. Parce que je suis un feignant, moi. Je fais le principal. Je vais voir si on va débloquer des stuff. Oh putain. Hop. Yo. Yo. Non. Oh. C'est joli. J'aime beaucoup. Oh là là. Elle est cheatée en plus, hein. Ouais non, j'ai appris en plus. Ah, débloquer le gong, la lance. Lance des neiges non plus, fusil arbalète, ouais. Alors que. Il fait trop rire. Épée non. Que dalle. Je pense que je vais améliorer avec ça. Ça dépend. Est-ce qu'il y a tué des ermitors? Je sais pas, on va se débrouiller, j'en tuerai au pire. Allez hop, on va aller voir comment ça se passe dans la maison. C'est sûr, sur un magnifique repas, Steve a pris le talent, attaque comme un foudre, ok. C'est sur ce magnifique repas, cette magnifique musique. Attendez, saucisse. Avec un steak en cube. C'est sur cette magnifique musique, j'ai bugué. Les amis, qu'on va se quitter. On se retrouve dans le prochain épisode, bien sûr, pour l'épisode numéro 5. J'essaierai de faire deux mobs directement dans l'épisode numéro 5. Comme ça, vous aurez un peu plus de contenu, parce que là, c'était plus de la découverte de map, entre guillemets. C'est clairement de la découverte de map. Il y a un petit monstre à la fin, mais bon, voilà. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la like, n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao tout le monde.